Bonjour et bienvenue chers amis Lyon pour les énergies du mois d'août 2023. Vous avez 2 de coupe, reine d'épée, 5 de denier, 6 de coupe. Toutes ces énergies nous parlent de quelque chose ici qui est difficile, difficile au plan de la matière, parce qu'il y a un retour du passé en fait qui vous a beaucoup blessé, qui vous a fait du mal. Et en fait vous avez essayé de l'ignorer, vous avez essayé de détourner votre regard, vous avez essayé de dépasser les choses par votre mental. En fait, ça vous a donné plus de force au plan mental, mais malgré tout, je pense que ce retour de cette personne-là, parce que c'est vraiment une personne, avec qui vous avez ressenti des bons moments, des situations intéressantes, vous avez peut-être mis beaucoup d'espoir dans cette relation, et malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que, en fait, ça a été compliqué, ou ça s'est passé de manière assez difficile pour vous, dans la matière. Et donc, il y a cette idée que votre reine d'épée, ici, est très tranchante, très déterminée, donc il y a ce retour de quelqu'un, sur cette période-là, d'une personne qui vous a blessé, en fait. Vous avez la reine de bâton, mais par contre, ce que est reine de denier, regardez ces trois belles reines, en fait, la reine de bâton nous dit qu'il faudra travailler sur votre confiance en vous par rapport à cette personne-là. Ne pas vous laisser déstabiliser, j'ai le mot démoraliser, dans quel sens, je ne sais pas, mais ne pas vous laisser capté par ce retour, par cette personne de votre passé, parce que vous avez besoin en fait d'avancer, vous avez besoin de progresser, vous avez besoin de mettre en avant tout ce que vous avez à faire. Vous voyez, 8 de coupe nous dit que restez dans le côté déterminé à quitter quelque chose au plan émotionnel. Vous avez encore une nouvelle fois une autre reine, la reine de coupe cette fois-ci. Travaillez sur votre détachement émotionnel. Vous vous êtes peut-être détaché mentalement, c'est-à-dire que vous avez forcé le détachement. Mais là, il sera temps de vous détacher émotionnellement, c'est-à-dire de retrouver de la force, de capacité pour calmer les émotions, parce que ça vous blesse encore, ça vous fait encore mal. Même si vous essayez de forcer votre mental à ne pas prêter attention. Mais là, je crois que vous avez besoin de purifier vraiment profondément cette situation-là. Et pour ce faire, en fait, vous pouvez utiliser cette approche analytique de ce qui s'est passé, de votre émotion, de votre sentiment. Parce que je crois que c'est l'échange qui fera que vous allez aligner les différents aspects. Parce que là, il est temps d'aligner le mental et le cœur. Et pour ce faire, vous avez besoin de l'action. Vous avez besoin de cette belle reine de bâton pour qu'elle agisse dans l'interprétation, la compréhension de cette émotion qui est dure, qui est dure, qui est dure et qui est lourde, surtout. Et vous avez le valet d'épée. Valet d'épée qui nous dit que ce sont les mots qui vous ont blessé. Il y a eu beaucoup de mots qui ont touché votre cœur, qui ont remis en question un petit peu l'image que vous pouviez avoir de vous-même peut-être, l'image que vous aviez de cette personne, comme si cette personne avait décliné dans votre esprit. En fait, ces mots vous ont montré en fait que ce n'était pas exactement la personne que vous imaginiez qu'elle allait être. Et vous avez le roi de denier, donc la stabilité au plan de la matière va vous donner la force de combattre ce sentiment, parce que c'est vraiment un sentiment, et la force vous l'avez, avec cette belle reine de bâton, cette reine de coupe, toutes ces reines, en fait vous avez les 4 reines qui sont ressorties, donc il y a ce côté, tout s'aligne, tout se met en mouvement, tout se met en place pour aider cette belle reine d'épée de ne plus lutter. Parce qu'elle a énormément lutté pour maintenir ce côté, son détachement. Mais là, le détachement va être réel, va être pur, va être sentimental, va être au niveau du sentiment. Et vous voyez, tout ça vous permet de laisser votre mental au repos, de lui laisser un temps pour se poser. Et c'est la reine de bâton qui va reprendre l'action, qui va reprendre ce valet de bâton, c'est-à-dire qui va agir d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière, qui va vous soulager mentalement et qui va vous permettre de mettre un terme à cet effort que vous devez faire, que vous devez fournir pour dépasser quelque chose. Vous avez 10 d'épée, oui. Vous avez des idées noires, des idées difficiles, des idées compliquées et notamment des idées qui remettent en question votre propre liberté de jugement. En fait, vous ne pouvez pas juger librement, vous ne pouvez pas avoir la clarté d'esprit parce qu'il y a ce sentiment qui est profondément ancré en vous. Parce que tout
était ici difficile au plan émotionnel, et comme si vous aviez mis un couvercle, si vous voulez, sur ces émotions-là, en essayant de maintenir une approche mentale, mais cette approche mentale n'est plus suffisante. 6 d'épée, parfait. Vous voyez, il y a un apaisement de votre mental, apaisement de l'esprit. Cette reine d'épée n'a plus à lutter. Elle n'a plus à lutter parce que vous avez le chevalier de coupe. C'est-à-dire un pardon qui est fait. Peut-être que cette personne revient pour vous demander pardon. Peut-être que cette personne va vous expliquer ce qui s'est passé. Peut-être que vous allez comprendre ce qui s'est passé. Ou peut-être que vous allez vous pardonner à vous-même. Et si vous arrivez à vous pardonner à vous-même, là, la reine d'épée n'aura plus à maintenir, n'aura plus à lutter à tout prix contre ce sentiment et cette émotion, puisque l'émotion va se dissoudre, va disparaître d'elle-même. Vous avez la lune, effectivement. Laissez l'instinct agir, parce que c'est l'instinct qui va agir et qui va vous défaire, vous débarrasser de la lourdeur de cette situation-là. C'est votre instinct, c'est vraiment instinctif. Et cette reine de bâton va vous permettre d'agir instinctivement pour vous défaire de ce 10 de bâton, d'une lourdeur en fait qui s'est imposée à vous. Vous avez l'as de bâton, tout ça, ça va purifier en fait, ni plus ni moins, votre force, votre affect, vos émotions. Il y a une purification où vous retrouvez la clarté par l'action. C'est vraiment l'action qui libère et non plus la pensée ou le mental. Parce que jusqu'ici, vous avez réussi à maintenir, grâce à votre mental, un certain détachement. Là, c'est par l'action et l'alignement que vous allez réussir à sortir d'une illusion, de sortir de l'imaginaire, de fantasme. Et en fait, vous allez retourner vers l'essence, votre création, le pouvoir créateur dont vous disposez, et que ça a limité ici, ça a limité votre pouvoir créateur. Là, vous avez toutes ces énergies féminines, excepté ce beau roi de deniers qui nous parle de la solidité, mais vous avez toutes ces énergies féminines, tout ce féminin universel qui va venir vous soutenir pour dépasser quelque chose. Parce que la reine d'épée n'en peut plus, c'est-à-dire elle a tenu bon, elle a bataillé, elle a tenu bon, elle ne s'est pas laissée embarquer, et là elle a besoin de soutien de tous les autres aspects, et notamment elle a besoin du cœur, elle a besoin de l'âme, elle a besoin de l'action, et c'est ce qu'elle va obtenir. C'est pour cela qu'elle pourra être beaucoup plus apaisée. Oui, beaucoup plus apaisée à un conflit, mais à un conflit intérieur. Et donc vous avez ce chevalier d'épée qui nous parle de connaissance, d'information, de clarté dans la connaissance, de la clarté dans la compréhension. Alors, chevalier d'épée, qu'est-ce qu'il nous raconte? Voilà, la reine, très bien. Vous allez agir avec clarté. En fait, vous n'allez pas toujours avoir des mots pour le dire. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Cette d'épée, on n'a pas les mots, on ne sait pas, on ne peut pas dire les choses, on ne comprend pas, mais on sait faire, on sait faire. Et vous allez savoir le faire. Parce que la lune nous dit exactement ça. Elle nous dit que la conscience ne sait pas, les idées ne sont pas claires, mais en fait, on vous guide vers la sortie de cette situation-là. Donc, la guidance sera vraiment intérieure. Croix de deniers, là, il y a un changement. La roue de la fortune, ça tourne. Et en fait, ce qui tourne, c'est une libération du mental. Cette reine, elle a donné, elle a fourni beaucoup d'efforts pour maintenir une situation. Elle a fait beaucoup, beaucoup d'efforts qui l'ont épuisée. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Là, elle comprend qu'en fait, sa libération sera faite par l'action, par l'instinct, par l'inconscient. Et là, vous avez le 10 de deniers. Donc, il y a cette idée que l'harmonie avec les autres, le soutien, peut-être que vous allez trouver des gens avec qui vous allez pouvoir vous allier dans cette situation-là et qui vont vous aider à comprendre. Peut-être que ce n'est pas la personne qui vous dit quelque chose, mais par rapport à cette personne-là, vous apprenez par un autre biais, c'est-à-dire quelqu'un vous raconte quelque chose qui vous permet en fait d'apaiser le mental et d'apaiser vos ressentis. Et en fait, d'agir en fonction. Vous avez le 6 de deniers avec la tour. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose ici et qui est bouleversant, qui est brutal en fait sur le premier moment, mais en fait cette brutalité, vous en avez besoin parce que ça va vous réveiller et ça va vous permettre de sortir de ce 7 de coupe, c'est-à-dire d'une certaine illusion sur ce que vous vivez et sur ce que vous pourriez vivre, et tout ça vous permet de sortir plus léger au plan du cœur. Je vous dis, là la reine d'épée, elle a tenu bon, elle voulait pas regarder les émotions. Là la reine de bâton,
elle va regarder ces émotions et va vous permettre de les purifier et d'alléger votre cœur. Donc il y a vraiment, regardez, il y a vraiment la légèreté du cœur et en même temps, ça vous permet de fonder quelque chose de beaucoup plus sain et serein au plan émotionnel. Donc là, ce n'est plus faire des efforts pour ignorer ses émotions, c'est vraiment ne pas faire d'efforts parce que les émotions ne sont plus là. En fait, il y a une purification. Vous avez encore quoi de denier. En fait, vous allez pouvoir extérioriser quelque chose dans la matière. Vous voyez, le 4 d'épée, c'est ça, le 4 d'épée. C'est notre lune ici. C'est-à-dire, c'est l'intuition, l'instinct, l'inconscient. Appelez ça comme vous voulez. C'est-à-dire, cette énergie qui est invisible, qui n'est pas tangible. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Par votre capacité de l'entendre, vous allez agir pour l'extérioriser, pour la montrer au monde, pour la ramener dans la matière, dans la vie de tous les jours. Et vous avez le soleil, parfait. Vous réussissez à le faire sans aucune difficulté. En fait, vous avez des compréhensions et je pense qu'il y a des gens ici, il y a un groupe de personnes, une personne, quelqu'un qui va vous dire quelque chose et en fait dont vous avez besoin pour mettre un terme à quelque chose d'obscur. Là, vous allez avoir... Et en plus, vous allez le faire avec joie, vous allez le faire avec amour, vous allez le faire avec libération de l'enfant intérieur. L'empereur, 6 de bâton. Voyez, vous gagnez, là il n'y a aucun doute, vous dépassez des illusions, des imaginaires qui vous maintenaient en fait dans une situation qui n'était pas simple pour vous. Au plan du cœur, ça vous maintenait, parce que votre mental, ça fait un moment qu'il s'est détaché. Mais en fait, ça vous demandait de faire des efforts et ça devait être fatigant. Parce que vous aviez cette division en vous entre le mental qui sait ce qu'il veut et le cœur qui ne sait pas tout à fait ce qu'il veut. Et là, justement, grâce à cette partie-là, vous allez pouvoir savoir et le cœur et l'âme ce que vous voulez. Et regardez, il y a en plus cette idée de couple. Vous avez l'empereur, l'impératrice et vous avez le 8 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a la construction, l'unité de quelque chose qui vous permet de sortir de cet enfermement du mental. Il y a ce côté, vous avez et la part masculine et la part féminine, mais il y a quand même beaucoup du féminin, même si avec le roi de deniers et l'empereur, il y a ce masculin, mais il y a beaucoup de cette part féminine qui est nettoyée, qui est allégée, qui est tout simplement purifiée et qui vous permet ensuite de manifester quelque chose dans la vie, manifester dans la réalité et qui vous permet de sortir de ce blocage. Alors justement, avec la roue de la fortune, on a le roi bâton. Action mûrement réfléchie, parce qu'il y a une opportunité pour vous. Vous allez pouvoir agir et en plus vous allez évoluer. Plus vous allez faire, plus vous allez devenir maître. Et plus vous êtes maître, plus vous pouvez transformer quelque chose dans la matière et le réaliser avec évidence. Là, c'est du masculin. Dans ce message-là, on a beaucoup du masculin. L'empereur. C'est-à-dire, il y a ce côté, je pose, j'ancre, je manifeste dans la réalité, dans la vie. Et je manifeste quelque chose qui est heureux, quelque chose qui est bon, quelque chose qui est intéressant pour moi, quelque chose qui me permet d'avancer avec pertinence. Vous avez encore le roi de deniers. Troisième fois, le roi de deniers. Donc, il y a ce côté solidité, stabilité. Est-ce que vous vous rendez compte, les trois premiers arcanes, que du masculin? Parce qu'en fait, le féminin nettoie, prépare. C'est l'impératrice, c'est toutes ces reines qu'on a eues. Elles préparent, elles nettoient. Et dans la matière, boum, le choix. C'est fait, on passe à autre chose. On est clair, on est net, on est stable avec soi, on est en accord avec soi. Non mais c'est magnifique et vous avez vraiment ce côté yin-yang qui travaille mais de manière assez conséquente. Le chariot, waouh, le deuxième message, le troisième message plutôt, est très très puissant. Le chariot, donc un changement, vous laissez. Je crois que là, définitivement, vous vous détachez de quelque chose et vous n'avez plus à tenir à bout de bras ce quelque chose, bout de bras à cause de votre mental. La reine d'épée va pouvoir être apaisée, votre mental va être apaisé. Vous avez tenu bon et vous avez bien eu raison de tenir bon. Et c'est le changement ici qui est impulsé et qui avance pour vous et qui vous guide. Vous avez vu, vous avez encore le 3 de coupe vers la légèreté du cœur. Vers la légèreté de vos émotions, vers l'équilibre dans vos émotions. Il y a ce côté, le cœur est léger. Vous y allez, le cœur léger. Vraiment, le cœur léger.
les amoureux. Ah, voilà, vous allez savoir exactement ce qu'il faut faire. Oui, vous êtes guidé pour prendre vos décisions. Il n'y a pas de doute. Vous êtes guidé pour choisir. Vous êtes guidé pour trancher. Vous êtes guidé pour avancer. Vous voyez, il y a ce côté. Voilà. Il n'y a pas de lutte parce que vous savez exactement où veut aller votre cœur. Votre cœur n'est plus dans cette souffrance, n'est plus dans cette difficile émotion et dans ce quelque chose qui est compliqué. Là, vous savez ce que vous voulez et où vous allez. Vous allez vers l'ancrage, vers le bonheur, vers l'alignement. Vous allez pouvoir ancrer dans la matière, et c'est ce que nous disait déjà l'empereur, vous allez pouvoir ancrer dans la matière un alignement. Un alignement entre toutes ces belles reines, c'est-à-dire cette purification de vos émotions, et que toutes ces énergies masculines vont vous permettre de matérialiser, de concrétiser, de sortir en fait dans la vie et dans la réalité. L'oracle Tao vous dit la chose suivante, la stagnation, et au dodec, vous avez l'accroissement. Donc ce que veut dire Tao ici, c'est que ça a stagné, ça a macéré, c'est la difficulté, mais la reine d'épée n'a pas lâché. C'est-à-dire, elle a maintenu votre épanouissement, elle a maintenu, mais ça lui a coûté. Hein. Ça lui a coûté quand même parce que ce n'était pas facile. Mais là, justement, stagnation est terminée, la reine a fait son œuvre, maintenant c'est toutes les autres reines, et donc l'alignement, qui vont intervenir, c'est-à-dire tous les autres aspects de votre vie vont être travaillés pour que vous puissiez accroître, pour que vous puissiez croître, et c'est ce que nous disait le roi de bâton. Il y a cette idée d'évolution, il y a cette idée de croissance. Alors je vous lis les mots-clés, vous avez d'abord l'aliénation, l'impasse, la reine d'épée devait être dans l'impasse, stagnation, résistance, ce qui résistait c'est l'émotionnel, ça résistait, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Et donc notre reine d'épée se méfiait de ses propres émotions, parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas lâcher prise encore. Et là, elle se rend compte, au mois d'août, votre mental prend conscience que vous pouvez lâcher. Vous pouvez lâcher les rênes, comme dans ce chariot, parce que tous les autres aspects vont se synchroniser. Et vous avez l'accroissement, alors les éléments suivants sont partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. C'est exactement ce qu'on sent dans le masculin. C'est exactement ce qu'on sent dans toutes ces énergies masculines. Ça vous conduit vers l'abondance. Et notamment ce roi de deniers qui est sorti trois fois. Et si vous regardez en numérologie, vous avez 1, 2, 12, donc 1 plus 2, 3, alignement. L'alignement 4, 6, 4, 2, pardon, ça fait 6. Donc 6, ça veut dire c'est par l'alignement que retrouvez l'équilibre dans la matière. Que vous arrivez à la croissance et que vous passez de ce 5 de denier vers le 6, c'est-à-dire l'équilibre. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.